Allô les filles, ce soir je vais vous faire deux choses. Premièrement, un outfit of the day. Aujourd'hui c'est la fête à mon copain. Donc j'ai essayé de me mettre toute cute là. Puis j'avais un peu hâte à l'été. Puis malgré la tempête de neige qu'on a eue hier soir, ben j'ai tenté ma chance et j'y suis allée avec des couleurs d'été. Pour commencer, j'ai mon chandail ici qui provient du Forever 21. Là, dernièrement, j'ai beaucoup, beaucoup acheté de trucs au Forever 21, donc surprenez-vous pas si c'est presque juste du Forever 21 quand je parle de mes vêtements. Donc voilà, avec trois grosses fleurs ici comme ça, j'aime vraiment ça. Puis c'est dans la couleur pêche, ça sort assez mal à la caméra, mais c'est pas mal ça. Je pense que ça va être beaucoup plus beau l'été quand je vais avoir un teint plus bronzé. Comme vous pouvez voir, je suis très blanche. Et pour les pantalons, donc ce sont des jeans skinny. Ben presque skinny. Comme collier, j'ai mon petit collier avec une boucle. Comme maquillage, pas grand-chose honnêtement. J'ai mis une petite ombre à paupières de la même couleur que mon chandail, et du mascara. Ça fait pas mal le tour. Sinon, à part de ça, je sais pas si on voit bien là. Mais je me suis fait une tresse dans mon toupette, comme ça. Puis je me suis fait une. Moi j'appelle ça un tortillon. En anglais c'est rope braid. Une tresse corde, là. Moi j'appelle ça un tortillon. Je sais pas, j'ai jamais vu sur YouTube en français quelqu'un qui parlait de ça. Si vous avez jamais su comment faire ce tortillon, demandez-moi de faire le tutoriel dans les commentaires. C'est vraiment simple, vous allez voir, là, ça va prendre 30 secondes et ça va être terminé. C'est même, je dirais, plus facile à faire qu'une tresse normale. Donc voilà pour mon outfit of the day, vraiment simple. Ensuite de ça, je me suis acheté quelques trucs ces derniers temps. Encore une fois, là, faut que vous allez voir. Là, je dirais, il me reste encore des trucs à recevoir parce que j'ai commandé beaucoup de choses par internet. Mais au mois d'avril, là. Il y aura plus besoin de. Oh, je vais pas mal être. J'ai pas mal dépensé ce que j'avais à dépenser d'ici un bon bout de temps. Pour vous présenter qu'est-ce que j'ai acheté, premièrement, je me suis acheté un Baby Lips. Quelque chose que j'ai entendu, dont j'ai entendu parler vraiment souvent là, dans les vidéos sur YouTube. Puis je trouvais donc que ça avait l'air merveilleux, là, puis etc. Là. Fait que moi j'ai pris celui à la pêche. En fait, son nom c'est Peach Kiss. Ouais. Fait que c'est vraiment fou, là. Il sent trop bon. Là. Puis, ben, regarde la couleur. Je sais pas si vous allez voir bien, là. Ça a pas vraiment de couleur, là, si vous voulez que je fasse une swatch. Ouais, non, ça a vraiment pas de couleur. Ouais, ça rajoute juste du brillant. Puis, oh! J'ai juste envie de faire ça tout le temps. Ça sent trop bon. Donc, je me suis acheté ça. Je me suis acheté trois vernis à ongles, dont celui-ci, qui est un taupe. Donc, dans la couleur béton frais, comme ça. À part de ça, je me suis acheté un vernis rose. J'en avais déjà un là, qui était semblable. Celui-là, c'est celui que j'ai. Mais celui-là est un peu plus pâle. Voir. Il y a un peu plus de bleu dedans. En tout cas, je l'aime bien. Donc, de Rimmel Lasting Finish Pro. Dans la couleur Baby Pink. Ensuite de ça, je me suis acheté un vernis à ongles de couleur lilas. Je me suis aussi vraiment fait convaincre par les filles de YouTube. Là. Il a fallu que je m'achète un butter, lip butter. Donc, j'ai choisi la couleur Lollipop. Donc, ça ressemble à ça. La seule chose que je trouve plate avec ça, c'est que il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Je le sors comme ça, là. C'est tout. Ça sort pas plus que ça. Donc, c'est à peu près la moitié de ce que normalement on a. Dans les rouges à lèvres. Mais c'est vrai qu'il est vraiment le fun. Il est vraiment le fun.
sais, c'est vraiment hydratant et tout, là. Fait que, ouais, je suis pas trop déçue de mon achat. À part de ça, autre truc, je suis allée au Walmart, puis je suis tombée sur une petite jupe d'été. Trop belle, ok? Puis tu sais, 12$, là, fait que... j'ai craqué. Donc, ça ressemble à ça. Encore une fois, la jupe a des poches. Ici. Comme ça. Puis, elle a des petits boutons en avant. J'aime trop ça. Sérieusement, elle a vraiment une bonne longueur. Là. C'est vrai que je monte. Ça fait à peu près ça. Là. Ça arrive juste au-dessus du genou. Fait que j'aime trop ça. La ceinture est super belle à part de ça. J'aime vraiment ça. Et j'ai reçu aussi ma commande Forever 21 qui, soit dit en passant, est arrivée extrêmement vite. Là. J'ai reçu le message comme quoi ça avait été expédié, puis je l'ai reçu le lendemain, ma commande. Donc vraiment, vraiment rapide. Voyez ça là, je suis trop contente. Là, j'ai fait un outfit of the day, mon dernier vidéo que j'ai fait, là. J'ai mis en ligne. J'avais une camisole avec des perles ici. Mon chien l'a tout mangé. Fait que. Ouais, j'ai dû me racheter quelque chose de semblable, puis je suis tombée sur ça. Genre, j'aime trop ça, ok? Puis je vais vous montrer de près. Je trouve ça trop fou. Je trouve ça juste trop malade. Là, dans chaque fleur, il y a une perle, puis un diamant. Fait que je trouve ça vraiment magnifique. Je suis vraiment contente. Puis je savais même pas en l'achetant, moi je pensais qu'il y avait juste des fleurs. Là. Puis quand c'est arrivé chez nous, j'ai quasiment crié en voyant qu'il y avait des perles et des diamants. Je trouve ça encore plus magnifique. Fait que je suis vraiment contente de mon achat. Celle-là était quand même dispendieuse. Là. Pour une camisole, je trouve que c'est dispendieux, mais elle était tellement belle, je pouvais pas m'en passer. C'était 27 ou 28$ chez Forever 21. Mon chandail ici, c'était 17$. Et mon dernier article, c'est un genre de, un chandail sans manches, comme ça. Avec un peu color block, là. Je sais pas si vous avez sûrement entendu parler de la tendance color blocking. Désolée, ma caméra a fait vraiment des stries, là, je sais pas quoi. En tout cas, fait que ça va comme ça. Puis c'est tout noir, là, puis... Mais dans le dos, oh, j'aime trop ça. J'aime vraiment beaucoup les boutons. Fait que dans le dos, il y a des boutons comme ça. Donc, c'est vraiment beau, j'aime vraiment ça. Puis, ça faisait longtemps que j'avais rien de rose, là. Fait que je me suis gâtée avec ce pêche et ce rose fuchsia. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente de mes achats. Je suis vraiment contente de ma journée. En ce moment, mon chum est en train de ronfler dans le salon devant une émission quelconque. Donc, ça finit bien ma journée. De faire une petite vidéo comme ça. Fait que je vous dis à la prochaine, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!